Et ce même vendredi 20, pour ceux qui veulent mélanger toutes les occupations de ce jour-là, il y a déjà notre ami Loïc Sweeney qui fait le vernissage de son expo We Are Data au volume. Ah ouais. Voilà. À partir de 19h, donc apéro, etc. Et puis, vous pourrez rencontrer Loïc qui nous présente ses œuvres. Donc, c'est très intéressant. Ah ouais. Ce sera suivi par une soirée drum and bass, disco, non, comme on dit, DJ. Voilà, c'est avec quelqu'un qui est connu qui s'appelle Calista. Je crois que c'est Miss Calista qui est connue dans le milieu. Nous, c'est pas ce qu'on préfère, mais enfin, après, si c'est pour bouger après avoir un peu bu et tout, c'est très très bien. Non, mais allez voilà. Au volume, on passe toujours des bons moments. Puis voilà, Loïc Sweeney, on l'adore, ce projet We Are Data. Bah, quand vous êtes fan de rock, vous adhérerez. En plus, c'est pas seulement beau, ça fait réfléchir. Et bon, on adore Loïc à tel point qu'on a piqué ses vœux de bonne année 2017 sur notre Facebook, le Facebook de l'oreille qui gratte. Et surtout 2017 et surtout haut les cœurs. Voilà, un très joli texte qu'a fait Loïc. Tout à fait. Tout à fait. Si vous agitez, vous n'hésitez pas à interagir, hein, les garçons, si vous voulez. J'ai vu les tableaux de Loïc au volume justement, et c'est vraiment à voir. Il y a beaucoup à regarder, beaucoup à lire. On s'ennuie pas, et c'est bien trouvé. Ouais. C'est intelligent, cette façon d'utiliser la technologie, c'est des infographies, c'est vraiment bien foutu. Et il n'y a pas que le côté infographie, il y a aussi tout ce qui va autour. Avec l'humour aussi. Voilà, l'humour, etc. C'est très, très, très intéressant, vous verrez ça. En venez au volume à partir de 19h, et puis à 20h, vous allez à la salle des meules avance. Mais il faut aller vite quand même, il faut quand même aller vite. Ouais. Hein, c'est... Bon, on passe au samedi 21 qui suit, donc dans le cadre du crossover session au C-Factory à Nice. Si vous savez où c'est, le C-Factory, c'est au-dessus de la médiathèque. Là. C'est sur la place, oui, la place Yves Klein, sans doute. Voilà, je pourrais y aller à la médiathèque d'un côté, le musée de l'autre, etc. Et donc, il y a des gens qui font aussi DJ et de la musique électro comme ça, qui s'appelle Flabert, un autre qui s'appelle Pouvoir Magique et un autre qui s'appelle Malcolm. Donc, ceux-là, à nouveau, nous... DJ, tout ça, c'est pas notre spécialité, mais pareil, pour bouger, c'est excellent. Allez donc, crossover session à C-Factory. Le samedi 21 aussi, il y a Nitz, qui passe à la médiathèque Albert Camus, à Antibes, pour ceux qui connaissent. Et c'est bien, c'est à 16h30, donc là, on peut mélanger tout un tas de choses. Nitz, qu'on a déjà reçu ici, et qui sont excellents. Voilà, donc je vous conseille, à partir de 16h30 à Antibes, à la médiathèque. C'est gratuit, la médiathèque, forcément. Donc, toujours. Vous ne privez pas. C'est très, très bien. Ouais, ce samedi 21, il y a surtout au volume Mills, Kills the Moose et Chips, qu'on a ici, qu'on reçoit. Les trois groupes désormais célèbres. Enfin, chez nous, en tout cas. Non, mais oui, c'est vrai. On les aime tous, et vous ne pouvez pas faire autrement que de les aimer. Alors, au volume, ce n'est pas à 16h30, ce n'est pas à 18h, c'est plutôt 21h30, pour être gentil. Voilà, donc venez au volume ce samedi 21, vous ne serez pas déçus avec ce groupe que vous entendez actuellement en session live à la radio. Ensuite, le mardi 24, moi j'y serai avec mon ami Simon, et d'autres amis pour voir Christophe à l'Antéa d'Antibes aussi. Merci. C'est pas celui-là. C'est un autre Christophe. C'est un monsieur Bévilacqua, je crois qu'il s'appelle. C'est ça, pour consommer le sûr. Voilà. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin et pour faire quelques annonces à l'avance, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, surtout sur scène. D'ailleurs, même je vais presque dire que sur scène, parce qu'on dit que c'est Cali qui passe à la salle du Broc, les Arts d'Azur. Ouais, c'est bon. Je crois que je suis même sûr le concert est complet. Donc si vous n'avez pas vos places, c'est ballot. Mais Cali sur scène, oui, c'est assez énorme. Faut le voir. Voilà, quoi. C'est vraiment génial sur scène. Il se donne à fond. Et puis la salle des Arts d'Azur au Broc est vraiment géniale. Alors, et puis toute la programmation, on est super bien reçu là-bas. Exactement. Ensuite, samedi 28 janvier, salle des Meules à nouveau, dans le cadre des nuits intimes. Des intimes. Il y a un certain Adam Nass. Avance qui passe, donc c'est un peu R&B, voilà, faudra. Je connais pas, mais enfin bon, ils ont au nuit du sud, ils ont un vrai talent de programmation et donc et ça va être au niveau. Le 4 février, j'annonce trois groupes absolument
mythique dans le coin avec Mary Mayhem, avec une certaine Babette. Voilà. Et Mazes Mood, qu'on a reçu ici. Bah oui, c'est nos amis qui étaient avec nous pour la 700e. Voilà. Et Astrolabe. Et Astrolabe. Retour, qui réapparaissent. Le retour, parce que je les adore aussi, ceux-là. Avec la petite à la basse et tout. Je me souviens plus. Sabrina. Sabrina, voilà. Bah oui, ouais. Je m'intéresse pas aux petites filles, moi, quand même. Mais bon, voilà. Donc, Sabrina, que j'adore aussi. Voilà.